m'appelle Gaspard Simon, j'ai effectué un bac ES, ensuite j'ai validé une première année de droit sciences politiques, puis je me suis réorienté comme beaucoup d'étudiants post-bac. Je suis en troisième année du bachelor international d'hôtellerie et de restauration, et j'entame en janvier une spécialisation en entrepreneuriat. C'était un petit peu un pari fou, j'étais désorienté après ma première année à Lyon 3. Puis il y a une amie qui m'a parlé de l'Institut Paul Bocuse, je me suis renseigné et ça a été un déclic par rapport aux valeurs qui étaient propres à la personne que je voulais devenir. Dans ma formation, ce qui me plaît le plus, ça serait la polyvalence, bien évidemment le côté à l'international, mais également le suivi sur l'élève. On est très paterné et materné par rapport à, par exemple, on est beaucoup moins numéro comme j'ai pu l'être à la fac. Ça, c'est chouette et chaque étudiant devient la personne qu'il veut vraiment devenir. Et on pourrait croire que l'Institut Paul Bocuse crée des étudiants généralistes, mais en fait, ça crée des étudiants spécialistes. Et ça, c'est vraiment chouette. De base, ça aurait dû être un souvenir négatif, mais ça en est devenu un souvenir positif. En première année, on fait des mises en situation et on sortait du service du soir de saison avec mon équipe. Et on avait passé un service qui avait été très compliqué, très fatigant, on croulait sous le travail. J'étais épuisé, mais j'étais vraiment envahi d'un sentiment de plénitude que je m'étais dit, c'est ce que je veux faire. J'ai trouvé ma voie et ça, c'était vraiment bon, vraiment cool pour moi. D'ouvrir mon premier restaurant, je dis premier parce que je compte bien en ouvrir plusieurs. Quand on décrit en trois mots, on décrit jamais aussi bien qu'en quatre, donc je vais le faire en quatre. Je dirais bien-être, polyvalence, comme je vous l'ai dit, international et florissant, parce que je pense que l'Institut Paul Bocuse est réellement florissant.